Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo spéciale unboxing. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai dévalisé mon magasin Action. Tadam ! Ma carte bleue a encore chauffé. Bon, eh bien écoutez, j'espère que l'idée va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo. C'est comme ça que je vois si ça vous plaît. Et bien entendu, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, que vous adorez l'univers du slime, des tests, des DIY en tout genre, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton qui ressemble à ça, voilà celui-ci, comme ceci, et en n'oubliant pas d'activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos, voilà. Et bien écoute, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Alors, comme d'habitude, bien entendu, je vous afficherai les prix à l'écran, soit en haut à droite ou à gauche, enfin, suivant le montage. Voilà, allez, c'est parti, on commence. Tintin, qu'est-ce que j'ai pris? Ah, j'ai pris des bonbons Haribo. Donc ici, c'est des mini bonbons, c'est des petits sachets, donc c'est pour Julia, c'est pour ma fille, hein. Elle aime bien ça, des petits bonbons comme ça, ça j'adore, Julia elle n'aime pas du tout, il y a des réglisses à l'intérieur, donc je pense que ma fille va manger les autres bonbons et moi je vais manger les réglisses. Voilà, donc pour le premier achat, ça commence bien. Alors ensuite j'ai acheté, alors là c'est un produit génial, franchement je crois que c'est le meilleur achat que j'ai fait à Action, c'est tatin, des sacs d'aspirateur. Vous en foutez? Bah moi aussi. Bing. Allez, on continue. J'ai acheté... Ah, j'ai trouvé ici des petits nonos pour mon petit toutou. Il les adore, ceux-là. J'ai acheté tout un tas de boissons en magasin Action. Et on va faire une petite dégustation. Je les sortirai peut-être après, les boissons. Allez. J'ai acheté des petits gâteaux Pimps. Moi, je les adore. C'est des Pimps chocolat noir cerise. Je ne sais pas si vous connaissez... Bon, je ne sais pas si vous connaissez, tout le monde connaît les Pimps. C'est la base, les Pimps. Hop là. Ensuite, j'ai trouvé des petits chocolats Milka. Et donc, dedans, il y a des Milka à la fraise. Alors, je ne connais pas du tout Milka goût fraise. Je vais bien tester. Tintin. Ensuite, j'ai acheté une souris filaire. Alors moi j'en ai déjà une pour faire mes montages, mais elle n'est pas avec fil et du coup des fois je perds le truc. Alors j'ai dit j'en ai marre, je me suis acheté une souris et je l'ai trouvée bleue. Et franchement elle est vraiment pas chère, donc voilà. Ensuite, j'ai trouvé des pailles réutilisables. Je les ai achetées dorées, elles existaient aussi en argenté. Ensuite, ah, j'ai trouvé des bonbons licorne. Alors, des glacés biscuits. Je ne sais pas ce que ça vaut. J'ai trouvé trop chouette. On les ouvrira aussi tout à l'heure. Bon. Après, j'ai trouvé... j'ai acheté de la sauce mayonnaise. Alors, cette sauce-là, elle n'est pas chère. Et nous, on l'adore. Donc, je n'achète plus que celle-ci. Et au magasin Action, elle n'y est pas toujours. Alors, dès que j'en trouve, je la prends. Voilà. Ensuite, oh, ça va bien se terminer. J'ai trouvé une petite friandise. C'est des petits cornets comme ça, avec du chocolat à l'intérieur. Et ça, c'est pour ma fille parce qu'elle adore ça. Elle est très, très chocolat. Et donc, c'est noisette. Et voilà. Après, j'ai trouvé... Ah oui, j'ai acheté des mini Doritos. Alors ça, c'est des petits trucs d'apéritif. Moi, j'aime beaucoup. Donc, je les ai pris barbecue et je les ai pris comme ça, crème. Alors, ces petits machins, franchement, moi, j'adore. C'est tout petit et c'est super bon. Vous pouvez y aller. Voilà. Alors, après, qu'est-ce que j'ai pris de... J'ai trouvé des bonbons. Des bonbons kickers s'y mettent, des petites bonbons grenouilles Haribo. Bon voilà, on aura fait encore le plein de bonbons. Et ça se termine avec le Coca Chéri. Mais quand c'est terminé, il y en a encore puisque j'ai acheté plein de boissons. Et en fait, c'est l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. J'ai acheté plein de boissons à Action. D'ailleurs, ça aussi, ça vient d'Action. Je les ai mis au frais en fait pour pouvoir les déguster. Et aujourd'hui, on va goûter les boissons d'Action. Donc voilà, j'ai trouvé de la boisson fraise. Elle existe aussi goût tropical. Nous, on l'a goûté goût tropical. Fraise, celle-ci, je ne vais pas vous la goûter aujourd'hui parce qu'en fait, elle est très très bonne. Ensuite, j'ai trouvé ça. C'est une boisson à l'aloe vera et c'est mangue. Donc bon, pourquoi pas, je connaissais l'autre. Celle-ci, je ne la connaissais pas. Eh bien, écoutez, on va goûter. Hein. Alors... je vais goûter. Est-ce que c'est bon?
Putain, il y a des trucs à mon fond. Oh là là, regardez. Alors, voyons voir. C'est pas mauvais. C'est pas excellent. Ugh. Bon. Alors, comment dire, franchement, je préfère l'autre boisson aloe vera que celle-ci, mais bon, tous les goûts sont dans la nature. Ensuite, j'ai pris du coca chéri. Je ne goûte pas puisque là, le coca chéri, tout le monde sait ce que quel goût ça a. Alors, j'ai pris du Dr Pepper. Quel goût ça a, ce truc? Ah, c'est particulier, ça, ça sent la cerise. Ah, ça a le goût de cerise, en fait. Ça a le goût du coca chéri. C'est à base de caféine, ouais, d'accord. Bon, bref, pas mauvais le Dr Pepper. Moi, je ne connaissais pas, mais voilà. Alors ça, ici, j'ai déjà goûté, donc je ne le regoûterai pas. Ça a un goût de Sprite, un petit peu. C'est pas mauvais. Et c'est pas si fluo que ça, hein, quand même. Hein. Et c'est sans sucre. Nouvelle bouteille, même recette. Voilà, c'est pas mauvais. C'est un Sprite, un petit peu. Ensuite, ici, j'ai trouvé de la boisson tropicale. Alors, chez Action, ils ont celle-ci. Ils ont aussi à la mangue et à la banane. Nous, on adore celle-là, boisson tropicale. Ça a un goût quand même très particulier puisque c'est banane, ananas, pomme. Banane, pomme, ananas et un petit peu de pêche, légèrement. Et franchement, c'est pas trop, ça n'a pas le même goût que les autres boissons tropicales. Et moi, j'aime beaucoup. Donc, celle-là, vous pouvez la boire sans problème. Vous pouvez l'essayer, moi je les aime bien. Et à la mangue aussi. À la banane, j'aime un peu moins, mais bon. Ensuite, j'ai acheté ça, le truc Hawaï. Alors, je vais l'ouvrir, on va le goûter. Pareil, c'est goût tropical. Je ne sais pas du tout ce que c'est, ce truc. Hein. Si c'est gazeux, si c'est pas gazeux. Allez, on va voir. Santé. Ah. C'est gazeux. Ça ressemble au Fanta, en fait. Bon, le Hawaï tropical, c'est un petit peu un genre de Fanta, c'est pas mauvais. Allez, maintenant, on va goûter ça, là. Alors, ça ici, je sais pas du tout quel goût ça a. C'est sans sucre. Donc, c'est avec édulcorant, ça doit pas être super, hein, quand même. Enfin, ça doit pas être super, j'en sais rien. Ils mettent « Don't eat, drink it ». Donc, forcément, ça se boit. Alors, il y avait goût candy cane, il y avait goût bubble gum, voilà. Ici, il y avait goût chamallow. Hop, et ici, il y avait goût cotton candy, donc barba papa. Je ne sais pas s'il faut le remuer ou pas. Au gazifié, donc c'est gazeux. Ouais, bon, allez, je vais remuer légèrement, et c'est là que tout explose. Mmh. Ah oui, d'accord, c'est rose. Ça sent le chewing-gum. Alors ça, j'aime pas trop. Il faut vraiment avoir soif hein, pour le boire, je crois. Hein. Et on passe au suivant. Goût chamallow. Alors là, c'est blanc. Alors, celui-là j'aime moins, celui-là il est un peu meilleur, je trouve. Ouais, c'est particulier, ça a vraiment le goût du chamallow, c'est un petit peu moins sucré, enfin ça, c'est quand même sucré en bouche, mais le bubblegum j'aime pas, le chamallow il est pas mauvais. Ça va. Mais franchement, c'est pas ma boisson préférée, je préfère le Dr Pepper ou les trucs tropicaux, le Hawaï, j'aime bien, mais ça. Allez, ensuite, on va goûter le dernier. Bah comme ça, vous saurez. Alors, coton candy. Donc, c'est barbe à papa, quoi. Alors là, c'est vert. Ok. Donc, on a rose, transparent et vert. Ah, ça sent bien la barbe à papa. Bah, c'est pas mauvais, celui-là. Finalement, ouais.
Alors, pour récapituler, je dirais que celui-là, il n'est pas mauvais. Celui-là, ça passe aussi. Bon, c'est pas mes boissons préférées, mais franchement, elles sont pas mauvaises. Par contre, le bubblegum, je le trouve vraiment pas bon. Après, c'est une question de goût. Ensuite, ici, ça, j'ai pas aimé. Et le reste, bah écoutez, ça, c'est très très bon. Julie, elle en boit. Ça ressemble au Capri Sun fruits rouges. Enfin, c'est bon, hein. Voilà, le coca, ça reste du coca. C'est une valeur sûre. Ici, le Dr Pepper. Si vous aimez le coca, chérie, vous pouvez y aller sans problème. Ça, si vous aimez le Sprite, eh bien écoutez, aucun souci. Si vous aimez le Fanta, vous allez adorer le Hawaï. Et si vous êtes adepte des petits mélanges jus de fruits et que vous aimez bien la banane, l'ananas, c'est quelque chose que vous pouvez boire sans problème parce que celui-ci, il est très très bon. Moi, je vous le conseille. Des trois, c'est notre préféré. Ah, et on va juste ouvrir les petits. Ici, j'ai bien envie d'ouvrir les petits biscuits licorne. Donc, hop là, on va regarder. Ah, d'accord. Ok. En fait, regardez, ils sont comme ça en fait, avec un petit glaçage. Voilà, il n'y a que des roses. Ah non, il y a des jaunes. Ouais, d'accord. Rose et jaune. Ok. Bon, ça doit être très très sucré. On va terminer par une note sucrée. Je peux vous dire que je ne mangerai rien à midi. Alors. Si vous êtes très gourmand, adepte de bons gâteaux et tout ça, bah écoutez, vous pouvez passer votre chemin, ils sont dégueulasses. Alors moi, on me disait toujours quand j'étais petite, si tu n'aimes pas, n'en dégoûte pas les autres. Bon, franchement, c'est passable, c'est mangeable, ils sont très sucrés, mais franchement, il y a meilleur. Hein. Voilà. Eh bien, c'est sur ces derniers instants que la vidéo s'achève. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. C'est comme ça que je vois si ça vous plaît. Et bien entendu, si vous voulez d'autres vidéos dans ce style, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Bien entendu, si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous adorez l'univers, des tests, tout ça, voilà, de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton qui ressemble à ça, voilà, celui-ci, comme ceci, ou le petit rond des fois qui est en fin de vidéo, vous savez, quand je vous propose d'autres vidéos, voilà, ça vous pouvez aussi. Voilà, et n'oubliez pas bien entendu d'activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Voilà, en attendant, moi je vous fais plein 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 de gros et de méga bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Tududu.